Yo les amis, c'est Erno95. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'épisode 10 sur Borderlands The Pre-Sequel sur l'édition sur la version Xbox One. On va faire la quête Torg. On va se rendre à l'entrepôt que je sais pas où elle est. Fais gaffe en approchant les Kragons. Ils sont apparus quand Dahl s'est mis à excaver la planète et j'ai bien failli me faire buter par l'un d'eux il y a 2 mois. J'ai gagné une cicatrice sexy sur le ventre. Pardon, je cherchais pas à te faire du gringue, Nisha. T'es pas tout à fait mon genre. Pas de problème. Je préfère les canons de toute façon. Oh bon, j'ai pris un bon petit raccourci. Le bâtiment du réacteur lumineux doit plus être très loin. Entre. Ah oui. C'est pour ça que je t'ai filé le prod gun. Tire sur les Kragons avec ça, ça va les énerver et ils fonceront sur toi. Si tu réussis à les attirer vers les saloperies, ils te forceront un passage. J'aimerais bien mettre les dragons en colère, mais déjà il faut que j'arrive à en trouver. Déjà pour commencer. Voilà, bien petit. Ah là, il y a là. Roule. Voilà, tu faisais te demander. Ils ont dégagé les saloperies. Maintenant, entre et récupère le réacteur lumineux. Allez, fuis. Alors là, non, on va pas tirer. Qu'est-ce qu'il y a de quoi d'autre à fouiller ici? Ok. Génial! Maintenant reviens me voir et je te filerai un flingue laser. Ou bien tu pourrais me le détruire et je te filerai un super flingue Torg. Pourquoi? Parce que j'en veux personnellement au laser et que j'ai la rancune tenace. C'est un vrai problème dans mon quotidien. Balance le réacteur lumineux dans de la lave! Oh, j'aurais presque de la peine pour le gros balèze. Tu peux me donner le réacteur ou le détruire pour Monsieur Torg. Je t'aimerais toujours pareil. Bon, je veux avoir le... Pardon. Je suis mort bêtement. Ça me reprend où ? Oh, c'est pas si mal. Moi, je dis pas non. J'ai pas un peu d'argent, mais je... Où j'ai foutu ce truc, moi? Il faut que je le mette en bas. Ok, mais où? Ah, ici. On forme une bonne équipe, non? Entre moi qui fais rien et toi qui fais tout. C'est moche! Tout le monde s'amuse avec des armes laser et moi je suis là à faire exploser des trucs! Quelle vie de merde! Pas tant pis pour toi. C'est pas grave. Les gens aiment bien les explosions. Tu dis ça juste pour me faire plaisir! Les gens, ça veut des lasers! Pas des explosions! Non! Moi j'aime bien les explosions, vraiment! T'es super! Vraiment?
Alors, je t'aime bien. Ça te dirait de sortir avec moi? Désolé, j'aime pas les garçons. Coucou, Spanier! Il est complètement taré. L'histoire du réacteur lumineux, c'est ça? Je tiens juste à signaler que j'étais vraiment déprimé à l'époque. Aujourd'hui, je comprends mieux que son rejet n'avait rien de personnel et que ma remarque était à rien misogyne. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Laisse-nous tranquille, Monsieur Torg. C'est de bonne guerre! Yeah! Il est complètement cinglé, lui. Bon, allez, on va aller à Concordia. Apparemment, il fallait par là. C'est ce qu'on va faire. Oula. Un peu plus. J'allais sauter pour rien. Non. D'accord. Ça fait deux fois là, oh! Tout à l'heure je suis passé tranquillement, mais là, non. Non, il veut pas. C'est vers où en plus? Ah oui, c'est une zone où j'ai jamais été encore. Bon, bah on va réessayer encore. Je sais pas combien ça va nous coûter, mais... Voilà. Finalement, c'était pas si compliqué que ça. Allez, Concordia. Concordia, me voilà. Toujours avec le petit temps de chargement. Ça, j'y suis pour rien. Très bien, bienvenue à Concordia. Un vrai trou à rats, et je m'y connais. Trouve le dénommé Huxter. C'est un ancien d'Hyperion. Il dirige la ville. Bon là, y a rien à suivre. Mais non. Non. Des petits cartons. Non. Non. Y a vraiment rien d'intéressant ici. Non. Là non plus. Ok, c'est assez près comme ça. Donne-lui le. Autorisation d'entrée et que ça saute. Allez. Espèce de sale petite merde. Tu viens d'enfreindre la loi de moralité verbale dans l'espace. Ça te fera une belle amende. Va te faire voir. Et hop, une deuxième. J'adore. Suis-moi ou je te colle une troisième amende. Voici Concordia, le plus puissant des ports spatiaux d'Elpis. Quel dommage que tu doives admirer la ville depuis la cellule où tu croupiras. Désolé, attends, j'ai quelques courses à faire. Là, c'est bon. Non, là, j'ai rien à faire. Je préfère te prévenir, ça va être bizarre. Y'a rien d'autre. Ah, si. Voilà, vas-y. Ah, cool.
Moonoule. Ouais, c'est bon. T'es complètement OK pour la décontamination. Boum! Je t'avais bien dit que je te ferais entrer. Maintenant, tu te débrouilles. Ok, merci, Spring. Non, rien. Bienvenue, nouvel arrivant. Obéis à mes ordres. Va sur plateforme de décontamination. Bouge pas, sous-rayon. Bon, allez. Allez, décontamine-moi. Toi, bouger. Viens, clinique. Stupide la pushka. Je, Nina, viens me voir pour faire soigner. Mais juste pour blessure grave. Nina a horreur des gros bébés. Sauf si c'est vrai gros bébé. Ça, Nina, j'adore. Toi, blessé, tiens, prends. Bien, toi sur pied. Si besoin autre soin, utilise distributeur pour acheter santé. T'es pleine forme, houst. Ok. Merci, Nina. Non. Ouais. Désastre lunaire. Gentil, agréable, mais sentir comme Allen Torch. Non, là. Nina retape, vie et bouclier comme pas deux. On va attendre peut-être peut-être on pourra trouver encore mieux. Machine pas marché si pas branché dans personne. C'est par là la sortie. Je l'avais point vu. Et là on revient au début. Et il me passait bien. On va le prendre. Là, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ok, non. C'est le chemin qu'on a fait. Préviens-moi si quelque chose te plaît. Le mec que tu cherches, Huckster, se fait appeler le mérif. Un mix entre maire et shérif. On s'en fout, c'est débile. Mais il saura peut-être comment traquer le signal. Ce type profite toujours d'une généreuse pension du temps où il bossait pour Hyperion, dans ma division. Je suis quasiment son chef, c'est comme s'il était déjà de notre côté. Non. Ouh, là il y a quelques coffres. Là je suis plein et là je suis plein. Ok. Alors... Ouais. Pardon. Alors... Ah. Je les avais pas vus ceux-là. Non. Voilà, ça s'arrête là. L'ascenseur, ok. Non, on va pas le prendre. Ouh. On a déjà assez d'armes, en plus on est plein. En parlant de plein, vas-y, on va vite fait en vendre. Ah, il vend cher. Ah, c'est un bleu aussi, c'est pour ça. Oh, on va peut-être garder. Pour le fun. Là, on vend.
on vend. On vend. On vend. Celui-là. Ouais. Je suis sûr qu'on se reverra bientôt. Peut-être, on verra bien. Allez, on va prendre l'ascenseur. Allez, fallait voir Mérif. Espèce de guignol à mauvaise débile. Merci de votre visite dans les bureaux du Mérif. Nous espérons que vous avez apprécié vos interactions bureaucratiques. Bon bah, il n'y a plus qu'une autre personne qui pourrait nous aider. Malheureusement. Allez, au Upover. On va le voir... On va aller boire un petit coup. Elle est où, Moxie? Oh, attends. Tu vois ce couple qui danse? La fille avec les tatouages et le type avec une tronche de porte de prison? Des anciens chasseurs de l'arche. Ils t'aideront peut-être. Oh, enfin, la chance est avec moi. Dix pierres lunaires, déjà. Salut. Helios s'est fait envahir par les forces de Dahl. Ça te dirait de m'aider à neutraliser le signal qui brouille ces systèmes? Hyperion, Dahl, y a vraiment une différence? On est en vacances, tous les deux. Ouais, désolé, mais on chasse plus les arches. J'ai horreur des tentacules. Des tentacules, hein? Va parler à Moxie! Et merde! C'est moi que tu cherches, Trésor. Bon, on va parler à Moxie alors. C'est ton ex qui m'envoie. Il a besoin de ton aide et d'avoir meilleur goût, apparemment. C'est vraiment un plaisir. Alors comme ça, c'est Jack qui t'envoie. Ça doit vraiment lui arracher la gueule. Enfin, c'est pas grave. C'est du passé, tout ça. Qu'est-ce qu'il veut? Il y a un brouilleur quelque part dans le coin qui neutralise les défenses d'Helios. Je dois le trouver et le débrancher. Tu veux trouver un signal? Alors tu vas devoir grimper pour placer des émetteurs sur les tours Echo en ville. C'est une triangulation toute bête. Ils vont te trouver la source et tu pourras la neutraliser. Juste un problème, j'ai pas d'émetteur ici. Mais ça peut s'arranger. D'abord, va récupérer les pierres lunaires que le claptrap douanier m'a confisquées par erreur. Mets-toi en route et je mettrai à jour ton système Echo. Fais-moi confiance, tu vas comprendre. Ok. Je peux aller voir les autres. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu travailles ici. Mais non! Je lui ressemble seulement! Je passais par là! C'est ça, oui. Deux minutes et tu te remets au boulot. Oh, d'accord. La sortie, elle est où? Elle est là, la sortie. Bon, sur ce, les amis, c'est sur ça que je vais vous laisser. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, qui sont en bas de la description. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un pouce bleu, à... Quoi d'autre encore? Ah si, à laisser un commentaire si vous voulez. Pourquoi pas. Allez, bye tout le monde.